So, alors je vais vous parler des jeux vidéo. Tu vois, les jeux vidéo, c'est comme du poulet, tu vois. Une fois que tu commences, tu peux plus t'arrêter. T'oublies que t'as une famille, une meuf et encore pire, des amis. Ouais, Junior, ouais, je t'invite à mon accueil. Laura. Ouais. Est-ce que tu peux juste fermer ta grosse gueule? C'est incroyable. À partir de 5 heures de jeu non-stop, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de se dire qu'on va faire une dernière partie. Il faut jamais se dire ça. Lorsque tu décides de faire une dernière partie, t'es confronté à deux choix. Gagner ou gagner, c'est simple. T'as déjà vu un mec dormir après une défaite? Mais j'ai remarqué généralement quand tu décides de faire une dernière partie, bizarrement, tu deviens nul. Tu te mets à considérer même un but comme une victoire. C'est grave. C'est fait. On va te faire enculer. Allô, Junior. T'es où là? Mais tu sais qu'on devait se capter. Tu joues encore, c'est ça? T'as testé l'armure cellulite ou pas dans Call of, mais quand tu combines avec le... Ouais, je pense que maintenant je vais m'endormir après une défaite. Sauf à une condition. Le bien ouvre en main à la construction. Vas-y mon gars, on se capte à la prochaine. Entraîne-toi bien parce que vraiment ton niveau c'est plus que c'était. Hein. Il y a vraiment un bon crâne hein, pourtant. Bon salut. Vas-y. Genre, je vais inviter un pote chez moi, dans ma maison, là où j'ai grandi, jouer avec ma p*** de motherf***ing Xbox que j'ai acheté avec mon argent, que j'ai gagné au McDo. Oui, j'ai travaillé au McDo. Oui, j'ai transpiré pour avoir cet argent. Et attention, attention, c'était un McDo dans un centre commercial. Il faut aller vite. Pourquoi? Parce que le midi, il y a du monde, motherf***. Donc tu transpires, donc tu charbonnes, donc j'ai charbonné pour avoir cet argent. Donc lui, il vient, il me gagne, il veut se barrer. Il y a pas un truc qui cloche, là. C'est incroyable. Fils de pute. On va pas se mentir, généralement quand tu perds chez toi, c'est soit parce que t'es nul, soit parce que t'es vraiment très très nul. Ouais, j'arrive là. Je suis en train de botter un petit con là en plus là. Pff, en plus, je viens de marquer mon gars, ce petit bouffon là, il est super nul gros, sache que je lui ai une main. Il y a même des cas où vraiment on peut plus rien faire pour toi. T'es vraiment une merde. Putain. Ah, cri, j'ai marqué là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. En tout cas, moi j'ai kiffé parce que ça fait 2 ans que je fais des vidéos. Dans ma chambre et je peux pas crier. Là c'est énorme ici. Putain de merde. Je kiffe cet endroit. What the fuck. Sheesh, sheesh. Yeah, yeah, yeah. Nigga, no they get the memo. They get the what? Shut up, they know the memo. Y'a même des cas. Y'a même des cas. Y'a même des cas où on peut rien faire pour toi. Je rigole parce qu'il y a un mec qui me regarde. Bonjour. Venez. Voilà, il y a des gens qui se ramènent comme par hasard quand je fais une vidéo. C'est incroyable, motherfucker. Yo, pourquoi je fais des vidéos dehors à votre avis? Simplement parce que je peux créer comme un fils de p***. Personne m'entend. Let's go. Let's go, motherfucker. Chiche, chiche, yeah, yeah, yeah.